Attendez, on va télécharger, vite, vite faire. Mais il a diminué. C'est dans ça qu'il a enlevé 4. Il a ajouté sur le chef de cabinet. Il a ajouté chez vous. Le chef de cabinet avait combien? 4 et 8. 8. Oui. Moi 10. Oui, vous avez 10. Oui. Donc le ministre maintenant, il sait. Le conseil principal, combien? Le conseil principal a eu 4. Ben non, 3. Il a eu 3. Oui. Conseil juridique, conseil de communication, le gouvernement 12 maintenant. T'as vu? Donc moi, le 2 gars qui reste là, tu donnes tout. Attends là. Il est où là? C'est ça la clé, voilà. C'est qui ça? Secrétaire général. C'est vous qui les avez envoyés. Attends. Lui, c'est qui? Pas lui, Diané. À Bilo. Lui, il a répondu au président? Oui, il a répondu. T'es sûr? Il a répondu. Tu peux l'appeler. Général. Les numéros sont devant, général. J'ai la situation de tout le monde. Je rappelle. C'est lui là, Macron. Écoutez, hein. On appelle les gens, quand ils ne sont pas ici, on les vire. Non, on a déjà. Tout ce que tu vois là, c'est des contrats des affaires. C'est des contrats des affaires. Macronater, ce n'était pas encore fait. Non, Macronater n'est pas fait, c'est pourquoi il n'est pas là. Papa, il manquait des gens. Oui. C'est quoi, Macronater? Oui, M. Mako. Putain, Mako. Je peux vous aider, je c'est. Putain, c'est Macronater. C'est comme ça, non? Oui, c'est bien ça. Non, c'est eux. Ici à la place du cœur. Voilà, le nom de la personne, c'est qui? Fadigan. Fadigan, mettez devant la Marco, c'est ça, non? Ouais, c'est vrai. Commentez. Écoutez, l'audio. Ok. C'est qui ça, secrétaire général? Non, vous mettez son nom. Non, le nom de la personne, ça, ce n'est pas vous. Vous savez ça? Fadigan. Moi, j'ai mis son nom, secrétaire général, pour savoir que tout ça là, c'est venu de vous. Car que. Moi, j'ai compris. Mais vraiment, il faut qu'on gère ça. Non, on finit ça. Non, c'est déjà fini, général. Oui, on est regroupés ici. Oui. Regarde les derniers contrats qu'on a imprimés. C'est tout qui sont là pour ça. Oui. Voilà. Bon, et le nom, c'est à moi, je vais dire. Voilà, je vais demander là maintenant. Écoutez. Général, vous l'avez dit, c'est là. Sous-jointeur, c'est quoi? Tout cela, c'est responsable. Et si je mets quoi? Non, je vais maintenant lui donner le nom. Je vais mettre ça. Après, quand vous payez, il y a bien lui. Lui, c'est qui? Comment il s'appelle? Je vais mettre Fadiga. Fadiga, oui, mettez Fadiga. Après, en bas. Donc, ça pourra même vous donner votre appel. Oui, c'est ça, Lou, là, c'est quoi? Lou, ça, c'est là où il doit travailler. Moi, je vais mettre ça tout à l'heure. Voilà, tu vas mettre ça tout à l'heure. Maintenant, quand tu montes un peu encore, désolé, votre appel ne peut être traité. Veuillez réessayer plus tard. Partagez dans tous les groupes les bandits qui partagent les marchés. Ah oui, c'est le problème. Moi, j'ai donné tout à mes il a tout donné. C'est lui qui est là pour ça. Okay. Donc ici, là, ça, c'est le grand patron. Ouais, jusqu'au planton. Tu as vu? Regarde ton grand patron. Mmh. Il avait juste 16, maintenant il a envoyé 25. Il a créé la merde. Qu'est-ce que je pourrais te... Qu'est-ce que je pourrais te voir? Quand est-ce que je pourrais te voir? Donc le rapport, il est dessus, hein, général. Bon, vous finissez quand? On n'a toujours pas la réponse. C'est quand? Non, moi j'ai dit. Moi, demain, je vais lui donner la notice. Il dit qu'il vient ici demain matin. Donc, il y a une flash chauffée. Hein. Général, quand on a chauffé, il y a plus un barrage. Général, je vous dis, la pression que vous avez, tout le monde est malade. Non, je vais venir. Tout le monde est malade. Mais Sini, il se la malade, tout le monde est malade, je vous le jure. Arrête de dire que tu je vous le jure, je regarde tous mes travails là, tout le monde est malade. Tu as vu que Kourouma même parle de me dire, je vais te dire, il est quand Il n'a rien vu. Il m'a envoyé un contrat, il n'a même pas lu. Un truc de merde, quoi. Et là, il n'y a rien. Donc, quand j'ai vu le truc, j'ai vu des fautes dedans, ça m'a énervé. Il voulait que je travaille à sa place. C'est pas facile. Finalement, ce que j'ai fait, parce que quand tu vas se modifier le suivi, tu fais le boulot. Non, non, ça passe. J'ai fait un test, change-moi le format, change-moi le régime. Tu as bien fait. Voilà. Ma cassia, quoi. Il est bien, mais c'est chaud. Non, non, mais c'est lui qui dit. On va se faire. Je vais. Venez ici, d'accord.
C'est-à-dire, vous voyez, on parle de marché gré à gré, on fatigue nos cadres, ils sont en train de mettre d'autres en prison. Des bandits se partagent des milliards. Non, mais c'est incroyable. C'est incroyable. Mais on va terminer l'autre audio. Je vais tout faire. Tu as vu comment non, je sais, c'est la première fois que je vais tout faire. Hier aussi, il était en prison. Je t'en parle plus. Non, merci, Gérard. Merci, Gérard. Non, non, c'est chaud. Bon, maintenant, il y a un problème. Mais ça, c'est un problème fait. Ouais, vas-y. Moi, le seul endroit où je peux marcher, c'est là où vous êtes en train de me découper cette année. Où ça t'a consenté, Madina? Parce que ces gens-là, je ne les connais même pas. Oui. Allez, tu crois qu'il travaille pour la non, il n'y a que un là-bas, était titulé. Et le chef de cabinet est sur mon dos sur ça. C'est pour ça que je ne parle même plus. Mais Échicoté, le frère. Échicoté, mais Échicoté, je ne les connais pas. Allez. Mais allez, c'est le ministre qui a le budget là. Nambo cité. Ministre de l'Économie. Non, à Nambo, il a été. C'est l'audio dont on parle. L'audio qui a créé le problème. Ce soir, ils ont suspendu le ministre. D'abord, le ministre n'était même pas à la réunion. C'est les petits, c'est les amis de Gomu même. La personne dont le ministre Yaya avait suspendu, c'est lui qui a enregistré. Et c'est l'audio qui a fuité. Ils ont cru que le ministre Yaya est dedans. Vous écoutez même, ils sont en train de se partager les marchés. Il n'y a pas d'appel d'offres. C'est comme si c'est du gâteau, quoi. Écoutez, maintenant les gens seront le CNRD. Ils sont en train de nous fatiguer avec nos cadres. Tout le temps. Oh, transparence, gabegie financière. Mais écoutez-les, comment ils sont en train de gérer ce pays-là. Voilà, après le soin, vous voyez avec le général, le chef de cabinet, après c'est Chico. Voilà. Mais Aïdet, de l'autre là, c'est Eden. Eden, c'est qui? Non, c'est pas Eden, c'est Akassi. Akassi, c'est Akassi. C'est le ministre qui l'a mis là-bas. Donc Akassi a mis des Chico. C'est-à-dire Akassi et Chico. Aïdet. Aïdet, c'est pour moi. Oui, le chef de cabinet. J'ai même fait le contrat. Oui. Voilà, maintenant. Le problème dans le truc, ils ont, en fait, tu comprends que les passés hier ici, c'est qu'est-ce qu'on fait? Bon, c'est que, honnêtement, le général, on va faire un petit travail chez lui. Non, la Corée. Oui, je vais être clair. Ah, mais je l'ai même dit ça. Il m'avait dit, parfait. On va faire un travail chez lui. Il faut en principe une extension du contrat. Mais même le contrat de base initial, même il faut faire une extension. Mais comme sur la ligne, le montant qui est disponible maintenant, c'est 26 milliards généraux sur la ligne. Et ce montant a été divisé entre les trois entreprises. Moi, je pense que on va faire des contrats sur cette base-là. Parce que là, le montant, il est là dedans, on va dire. Maintenant, le rajout là. Comme les évaluations sont faites déjà, on va essayer de planifier ça. Parce qu'après la saison, en principe, on doit faire une session extraordinaire pour voir quelles sont les lignes qui ont bougé, quelles sont les lignes qui n'ont pas bougé. Si on a fait un réaménagement du budget. Donc, là où ça n'a pas marché, on peut prendre maintenant ce montant général. On avait fait. Mais eux, là, déjà, le montant qu'on leur a affecté, ça correspond. À 400 mètres. Je ne connaissais pas là. Tu veux un contrat de 600 mètres. Oui, c'est pourquoi je te dis général. Mais déjà, même si ce n'est pas chez moi maintenant. Je comprends. Là, comment on fait pour réaliser ça? Voilà, c'est ce que je suis en train de dire contre la général. Les 200 mètres complémentaires. Le chez toi là. Mais comment ils vont faire? Ils vont arrêter les travaux? Non, ils continuent. Ils vont faire les 600 mètres? Ils continuent. Parce que pour le moment, ils ont décapé jusqu'à 400 mètres. C'est vrai. C'est qu'il y a un contrat. Donc, ils doivent arrêter les 400 mètres, ils s'arrêtent là? Non. Je crois que Dieu t'a dit hier. Non, non, Dieu m'a dit hier, mais c'était tellement mal compris que je voulais que tu m'expliques. Maintenant, s'ils ont un contrat de base initial de 600 mètres, maintenant ils ont payé que pour 400 mètres, est-ce qu'ils doivent faire les 600 mètres? C'est la question que je pose. Oui, oui, ils doivent faire les 600 mètres. Et quoi, ils vont être payés après? Voilà, maintenant, je vous explique, je vous explique. Vous savez, le fonctionnement du fer, en principe, un contrat doit être fait sur la base du montant disponible. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire un contrat dont la ligne n'existe pas. Non, je suis d'accord. Ce n'est pas possible. Oui, oui, oui. Maintenant, comme c'est la même entreprise. Donc, oui, ça veut dire qu'il faut faire aussi le montant que tu dois, qui correspond au travail qui a été mis. Exactement. Maintenant, pourquoi vous donnez un contrat
de 600 mètres, pendant que la disponibilité financière est que de 400 mètres. Vous voyez, il n'y a pas d'appel d'offres. On est là matin, midi, soir, à accuser les autres. Ils n'ont rien fait. C'est rentré, c'est sorti. Vous-même, heureusement, eux-mêmes, ils sont en train de se vendre. C'est pas nous, hein. Moi, je n'enregistre personne. Je ne dis à personne d'enregistrer. Voilà, c'est Yolande lui-même. C'est Yolande même, le directeur. C'est lui qui a enregistré ses amis. Parce que lui, on l'avait suspendu. Donc, ce n'est pas moi, go. Moi, je suis espion, mais je n'enregistre pas quelqu'un. Voilà, quand on m'envoie quelque chose, voilà. Donc, écoutez le reste. Écoutez un peu. En général, le comptable pouvait couvrir. Mais c'est le Dieu qui a inséré, a cassé de là. Sinon, à la base, c'était seulement deux entreprises qui étaient là. C'était Hightech et Echico. Mais après, à la dernière minute, je ne sais pas où a cassé, a tapé, passé par là. Il m'a même dit là-bas, il dit pour ta sécurité même, laisse a cassé là. Il faut diviser en trois. Donc c'est comme ça que ça a été divisé. Mais ils ont combien de mètres à casser ce groupe-là? Ils ont les mêmes mètres. Sauf Echico qui a une quantité un peu surpassée. Le contrat d'Echico fait 10 milliards et les autres là font 7 milliards, 8 milliards, 8 milliards. C'est comme ça. C'est ton Dieu. Maintenant, comment ils vont faire pour couvrir les deux kilomètres? Nous, nous allons évaluer, comme disant là, l'évaluation. Parce qu'on avait fait chez toi. Hightech avait fait ici. Pour moi, simplement, c'est pour les 200 mètres qui restent là, ils vont arrêter à 400 mètres ou ils vont continuer à faire les 200 mètres? Ils vont continuer. Ils vont continuer. Dans notre budget, maintenant j'ai compris. Ils vont continuer, quoi ils vont être payés? Ils vont être payés dans notre budget, réaménagé après la saison. Dans cette année. Vous savez, après la saison. Donc c'est un truc qui peut continuer, ils peuvent aller faire le truc. Oui, bien sûr. Ils vont aller faire le truc. Oui, bien sûr. Après, sous garantie. Vous savez, ce gouvernement, ils sont là à s'occuper des autres. Oh, ils ont fait ça. Ils sont en train de gâter tout. Le peu d'argent qui était dans les caisses, ils ont tout vidé avec des faux contrats. Ils se partagent entre eux-mêmes. Ce n'est pas des entrepreneurs, des appels d'offres, non. C'est comme le cas de KPC aujourd'hui. Il n'y a pas d'appel d'offres. On donne, mais on accuse les anciens. On parle d'audit. Moralisation de la chose publique. Hey, c'est du blabla. Si les militaires patriotes veulent vraiment aider ce pays-là, levez-vous. Les bandits là vont finir ce pays-là. Vous êtes en train d'écouter, c'est pas nous, c'est eux-mêmes. Ça, c'est entre eux. Voilà. Ça, c'est entre eux là-bas. En réaménageant, on prend ça en compte. Parce qu'il y a des projets qui ne vont pas bouger. Tu es convaincu qu'on peut réaménager pour qu'ils. Bien sûr, c'est en quelle année? Non, pas en quelle année, après la saison des pluies. On va être quel mois ça? Ça, c'est vers les mois de septembre, octobre. Septembre, octobre, oui. Moi, je laisse en tête, c'est tout. Non, franchement, c'est autre chose. C'est pourquoi vous avez vu ce décret bidon de dire que le ministre est suspendu. Des bandits comme ça réunis. Après, ils sont là à fatiguer ceux-mêmes qui ont aidé ce pays aujourd'hui. On parle de justice. Tous ceux qui sont dans ce gouvernement, on vous a dit, ils sont venus pour bouffer. Des vagabonds, des gens qui étaient couchés en Occident. Des vagabonds, ils viennent monter des faux projets. Après, non, les anciens.
Ils ne veulent pas avancer, ils ne veulent rien faire. Ils sont toujours là à dire, les anciens, c'est eux qui ont fait. Nous sommes tous conscients, avant le 5 septembre, où était la Guinée? L'économie. Il y a eu des crises, mais l'économie, tout allait bien. Les bandits aujourd'hui, ils sont en crise. Parce que oui, ils sont en train de faire sortir l'argent n'importe comment. Aucun résultat sur le terrain. Hein? Regardez le désordre qu'un ministre, Gomou, il pousse l'autre à aller enregistrer. Maintenant, tout simplement parce qu'il avait demandé au ministre Yaya Sow de remettre le directeur de fonds d'entretien routier. Bon, regardez le résultat. Vous-même, vous avez écouté. L'audio, c'est long tellement. Voilà, il y a le deuxième. Bon, vous m'attirez sur vos parleurs. Ouais. Je suis avec le général et le directeur général du FER. Ouais. Et Anna, comment on appelle, curage des Kalimoku maintenant, quoi. Ah. Ils m'ont dit, ah, pourquoi, d'abord, la première question qui m'a été posée, pourquoi on a suspensionné ça comme ça, quoi. Alors que dans la ligne budgétaire, c'est un programme qui est là avec le montant des FAR. Mieux qu'avoir un impôt A. C'était pour des raisons sociales et du fait que, en donnant une seule entreprise, travailler tout le monde et il n'y aurait pas eu de problème. Et deuxièmement, l'année passée, c'était une année spéciale. Donc finalement, vous avez d'utiliser des jeunes possédés par la méthode HMO, quoi. Et vous avez l'utilisation de la main d'œuvre à outrance. Donc ça veut dire que c'est des petits marchés qu'il fallait faire. Il a dit que c'est ce qu'on a eu à faire et il a compris. Dans la deuxième chose, on m'a posé la question. Alors, comment vous procédez? Moi, je les ai dit, bon, sous réserve, hein, parce que c'est toi qui as en charge la passation. Je les ai dit, on ne peut que procéder par rotation. Mais en fait, là, une note explicative pour dire que, au vu des inondations que nous sommes en train de vivre passer par là, au vu de ceci, au vu de cela, on va trouver l'argumentaire. Et du fait qu'on veut faire intéresser tout le monde, tout le monde veut pas, on veut faire participer tout le monde à ce taxe citoyen. Donc, nous pensons qu'on va essayer de passer ces contrats-là à 107 PME pour qu'on ait un résultat dans un bref délai. Et donc, avec ça, on pourra maintenant procéder par cotation. Je pense que ça pourra nous couvrir juridiquement. Mais ils ont jugé de ce que je t'appelle parce que c'est toi qui es le garant des procédures. Si tu as un conseil spécial à nous donner, que tu nous fasses. Monsieur le DG, je ne sais pas ce qu'il a dit. Non, c'est bien ça. Maintenant, moi, avec tout ce que tu Yolande vient de dire, là, je veux juste savoir. Moi, je veux juste savoir quand est-ce que Yolande va te transmettre la note. Est-ce que tu as vraiment besoin de sa note technique là, pour finaliser ton rapport? Et si oui, quand est-ce que le ministre pourra signer? C'est-à-dire que pour que les gens puissent travailler cette semaine, quoi. Vous avez vu, c'est Yolande et ça qui ont tout manigassé. Ils ont appelé Kourouma. Tous les autres là n'étaient pas là-bas. Ils sont allés monter tout parce que se partager de gré à gré. Awadoumbouya, on va voir ta réaction demain. On va vous entendre demain, matin, midi, soir. C'est comme ça. Tu arrêtes de nous fatiguer. Moi, j'ai dit, je ne compte même plus assise nationale, dialogue ou quoi. D'abord, vous ne pouvez pas aider ce pays-là. Vous n'avez ni le niveau, ni le savoir-faire. Vous êtes venu pour vous enrichir, pour nous fatiguer. Si vous aviez un savoir-faire, là, vous étiez avec le Pro Alpha Condé. Pourquoi vous n'avez pas apporté votre savoir-faire? Des bandits comme ça, là, qu'on est venu pour la démocratie, qu'on est venu pour, je ne sais, assainir quoi, la refondation. C'est ça votre refondation? Toujours quand on parle ici, là, vous dites non, on est contre. Alors vous-même, vous avez vu. Alors c'est comme ça se passe dans tous les bureaux. C'est pourquoi rien n'avance. C'est entre eux. L'argent, c'est entre eux. Ils se partagent. C'est pourquoi la population, personne ne souffre. Eux-mêmes, ils créent des PME. Il y a d'autres 16, 5, 6. Ils se partagent. C'est pourquoi l'argent ne circule pas. Ceux qui doivent avoir l'argent, ceux qui doivent recruter, on ne les donne pas. On crée des faux. C'est-à-dire, des entreprises comme ça, des PME, ils disent, oui, on a ça. On met sur les papiers. Pourtant, il n'y a rien qui existe. On sort l'argent, ils sortent l'argent, ils se partagent. Et après, vous êtes en train d'accuser les autres. Il a crié, Charles Roy était là matin, midi, soir. Oh, il y a des gens qui ont créé des entreprises au nom de tel. Mais pour vous, voici ça maintenant. Voici pour vous, devant les frères. Ça dit, ils sont pris en ça, c'est la malédiction. Wallahi Billah, c'est la malédiction. Quand des gens viennent, des arrogants,
Ils cherchent à humilier des personnalités. Comme ils sont en train de le faire. Et c'est Allah subhanahu wa ta'ala. C'est Dieu qui est en train de vous humilier comme ça. Le peuple ne vous fera plus confiance. C'est fait pareil. Non, des faux types comme ça là. Est-ce que vous avez besoin de mettre ces responsables là, humilier les gens comme ça là? Vous-même vous êtes pourris. Vous avez vos amis narcos. Le pays est à terre et à genoux. Au lieu de libérer les gens, on nous saoule. Ah non, moralisation de la chose publique. Connerie seulement.